Bonjour, on est le 26 juillet 2023 avec une météo qui semble rafraîchissante, puisque bon, on a connu des jours assez chauds ces temps-ci, et donc on a un environnement qui est rafraîchi après la météo qu'on a eue et des températures assez chaudes qui sont difficiles à supporter quand on fait du sport et autres, hein. Et autres. Alors, je vous rappelle que ici, on est en plein mois de juillet, enfin, fin du mois de juillet, parce qu'on est le 26, on arrive bientôt au 31 juillet, et que le pourtour méditerranéen connaît d'innombrables feux de forêt. Quand on sait que les feux de forêt, bon, il y a peut avoir des causes naturelles telles que les orages ou des volcans, etc., mais pas toujours. Bon, de tout temps, on a connu toujours des feux de forêt depuis que le monde est monde. Enfin, depuis l'existence de la végétation, parce que la végétation n'a pas toujours existé sur Terre, elle a été produite à un moment donné. Voilà, souvent les premières cellules végétales qui ont été présentes sur Terre. Mais disons qu'il y a toujours eu des feux de forêt, des grands, des petits, des moyens, enfin peu importe. Et quand la flore était présente, ben, ça constituait un danger pour la faune. La faune. Enfin, quand la faune a commencé à exister, parce que on a eu la végétation, la faune n'existait pas dans un premier temps, puis il y a eu la faune qui a existé, puis bon, les feux de forêt constituaient un danger pour la faune. Mais maintenant, plus que ça, elle constitue un danger pour l'être humain, puisqu'on a l'existence de l'être humain qui est présent, voilà, notamment qui vivent dans les bois, hein. Certains vivent dans les bois, font des bois. Un environnement économique, hein, parce qu'en fait ils vivent du caractère d'élevage de l'agriculture, ou voire de la cueillette dans les bois. Parce que les bois ont un caractère économique, mine de rien, hein, les bois ont un caractère économique, mais les feux ne sont pas, notamment au niveau du tourisme, hein, le tourisme, les bois, beaucoup de gens aiment les bois, mais c'est qu'il y a des gens qui ne prennent pas la précaution d'usage qu'il faudrait quand on est en présence voilà, d'un environnement forestier. Voilà. Les feux de forêt peuvent être causés de manière naturelle, oui, ça a été le cas par exemple au Canada où il y a eu des orages. On connaît aussi des feux de forêt en Californie, mais ils se rendent compte qu'à un moment donné, vivre trop dans un environnement trop boisé, c'est aussi dangereux. Donc il y a des incendies qui sont provoqués exprès pour éliminer, je veux dire, des parcelles de voilà de parcelles voilà de végétation sèche, voire des bois. Ils éliminent certains bois pour que ça ne constitue pas, je veux dire, un danger, tout en laissant bien sûr des bois, mais on équilibre la chose. Alors, sachez surtout que c'est la main de l'être humain qui est responsable des feux de forêt, rien d'autre. Enfin, rien d'autre, si, il peut y avoir des cas de figure, comme je vous ai expliqué, naturel, mais la plupart du temps, c'est la main de l'homme. Alors, la main de l'homme peut être soit volontaire ou involontaire. S'il s'agit d'un feu volontaire, c'est ce qu'on appelle tout bonnement un pyromane qui vient mettre le feu. Alors certains essayent de mettre le feu de manière au niveau pour récupérer certaines parcelles de terre, etc., etc., ou autre, mais là à ce moment ça constitue aussi un danger pour toute personne si l'incendie n'est pas provoqué de manière responsable et bien sûr surveillée. Parce qu'il faut toujours de la surveillance, notamment au niveau de la protection civile qui doit être présente quand on met des feux provoqués. Volontaire, mais ayant un trait particulier. On recherche bien sûr quelque chose de bien important. Par exemple, au niveau agricole, si on veut élaguer des terres ou autre, récupérer des terres, bon, on peut mettre un incendie, mais il faut que ce soit surveillé, c'est ça que je veux dire. Maintenant, la plupart du temps, quand c'est pas causé par la main d'une personne volontairement, ben c'est involontaire. Mais l'involontaire, la personne est aussi responsable. Quand c'est un incendie involontaire, ben la personne est responsable de la sécurité de ses gestes. C'est-à-dire s'il jette des mégots de cigarettes ou s'il vide un barbecue ou si je veux dire, il jette des bouteilles. Ben, les bouteilles qui sont jetées, c'est un danger quand il y a une canicule. Voilà, ça peut provoquer un incendie aussi. Donc, les incendies, c'est comme les déchets. Les déchets, s'ils sont présents, c'est parce qu'il y a des gens qui les jettent. Donc, c'est la main de l'homme. Et donc, ils savent très bien qu'ils font en sorte que
En général, on ne peut pas jeter des déchets, mais ils le font quand même. Ben, donc ça, ici, c'est la même chose. Jeter un mégot, c'est interdit, mais il y en a qui le font quand même. Donc là, on demande la responsabilité des personnes, mais c'est surtout aux autorités de surveiller et de mettre à l'amende ceux qui ne respectent pas ce genre de voilà, d'incivilité et qui risquent de provoquer mort d'homme, voire perte de biens d'autrui. Donc ceci, je veux dire, ça demande, je veux dire, une surveillance accrue. Et notamment de punir les personnes qui ne respectent pas voilà, les moindres faits et gestes de sécurité. Et notamment, il n'y a pas que la sécurité, il y a aussi les déchets. Hein. Les déchets, ça devenu pour de nombreux pays un point, je veux dire, délicat. Du fait que beaucoup de gens ne respectent pas, la majorité respecte l'environnement, mais il y a une minorité qui sont plus visibles que la majorité quand ils jettent leurs déchets. On croirait que c'est tout le monde qui jette, mais non, c'est une minorité qui salissent l'environnement et ils prennent plus de place que ceux qui respectent. Voilà, on va dire ça comme ça. Maintenant, je veux dire, pour revenir au feu, ben, pour avoir un feu, il faut le triangle du feu, c'est-à-dire la combustion, le comburant et la chaleur. Donc il faut les trois C. C. Les trois C, c'est combustion, comburant et chaleur. Et bon, on peut parler de feu à ce moment-là. Maintenant, il existe le triangle du feu, mais il existe aussi le tétraèdre du feu, hein, qui nécessite donc de l'oxygène, du carburant, de la chaleur et des radicaux libres. Ces radicaux libres, ben, sans lesquels aucune combustion avec flamme n'est possible. Voilà. Et je peux vous dire qu'en l'absence de radicaux libres, ben, la combustion peut se poursuivre, mais sans flamme. Sans flamme. Donc, en général, la plupart du temps, les feux provoqués sont la main de l'homme. Point. Et de personne d'autre. De temps en temps, on peut avoir la nature, mais la nature, c'est rare. C'est beaucoup plus rare que ce que fait l'homme en général. Donc, les départs de feu, en général, ce sont les hommes qui les provoquent, de manière intentionnelle ou non intentionnelle. Et de toute façon, même si c'est non intentionnel, il y a la responsabilité de chacun. Parce que dès le moment où il y a des dégâts, ben, il faut trouver un responsable. Parce qu'il faut bien payer quelque part, à un moment donné, voilà, les dégâts qui ont été subis à la nature, et à la faune et à la flore. Bon, ceci étant dit, un dé possède trois faces marquées 1, deux faces marquées 2 et une face marquée 3. Bon, le dé n'est pas truqué dans le sens où il n'y a pas un poids qui est plus prépondérant dans une côté des faces. Non, le dé est bien équilibré. Je vous rappelle qu'il n'y a que seul dé ici, mais qu'on va le jeter deux fois consécutivement ce même dé. Voilà. Alors on considère la variable aléatoire qui est associée à un couple de résultats, la somme de deux résultats. Et à partir de là, on va faire une analyse et ressortir toute une statistique reliée aux probabilités. Une statistique liée aux probabilités. On va voir, bien sûr, on va ressortir une variable aléatoire comme c'est indiqué là. Donc on va voir une loi. Une loi de probabilité qui va sortir, et donc là, à partir de là, on peut sortir des résultats mathématiques que justement je vais établir dans un petit instant. Bon, alors la première des choses, c'est de savoir ce que c'est qu'une variable aléatoire. Alors, la variable aléatoire peut être vue d'une façon assez simpliste. Alors, si je veux une manière simpliste de voir les choses, bon, une variable aléatoire est une variable qui peut prendre différentes valeurs avec une probabilité définie. Donc, vous voyez que la notion de probabilité est directement liée, je veux dire, à la variable aléatoire. Donc, il s'agit tout simplement, en gros, d'un lien entre deux ensembles, d'une correspondance entre deux ensembles. Et ce n'est pas n'importe quelle correspondance, je vais le voir dans un petit instant. Alors, qui peut, donc, c'est un lien entre deux ensembles, dont l'ensemble d'arrivée est une probabilité définie pour chacune des occurrences par rapport à l'ensemble de départ. Voilà. Au contraire d'une variable certaine qui ne peut prendre qu'une seule valeur définie avec une probabilité de 1. Les valeurs possibles peuvent être en nombre fini, comme dans le cadre d'une question proposant un choix entre plusieurs réponses définies. On parle alors de variables discrètes. Alors, bon, mon problème ici, ce sera un problème de variable discrète. Je vous le dis tout de suite. Hein. Ici, c'est un problème de variable discrète. Alors, on n'aura pas une variable continue. On aura une variable discrète. Donc, on va ressortir une loi de probabilité par rapport à ça. Alors, je reviens à ceci. Mais on peut aussi avoir des variables aléatoires qui peuvent prendre de très grands nombres, voire un nombre infini de valeurs réelles, entières ou ouvertes. C'est le cas, par exemple,
du montant des gains du loto, des revenus d'un ménage, d'un mot de passe, etc. On parle de variables continues qui peuvent donc prendre n'importe quelle valeur dans un intervalle donné ou plusieurs intervalles. Voilà. Alors, ça c'est une manière assez simple de définir. Moi, je vais la définir dans un troisième temps. Ça, c'est mon premier temps de définition de la variable aléatoire, qui est assez simple. C'est simple puisqu'on comprend que c'est une relation entre deux ensembles pour lequel on a un ensemble de départ qui va être voilà, une probabilité. Bon. Alors, la troisième définition sera une définition plus, je veux dire, plus simple, beaucoup plus simple par rapport à ça. Vous allez voir, entrevoir la chose beaucoup plus simplement. Mais il faut bien que je passe par une définition on va dire, raffinée. Et si vous voulez une définition plus raffinée, ben vous allez sur Wikipédia et là, à ce moment-là, ils vont vous définir, voilà, en théorie des probabilités, une variable aléatoire est une variable dont la valeur est déterminée après la réalisation d'un phénomène, expérience ou événement aléatoire. Donc il faut un phénomène aléatoire, donc il faut déjà d'abord ça. Et puis après, on peut définir une variable aléatoire. Et alors, ils donnent des exemples, mais c'est surtout que c'est une relation entre deux ensembles. Vous voyez qu'on a un ensemble oméga FP et un ensemble E epsilon NX. Voilà, état X. État, c'est la lettre état X. Alors, définition, soit oméga FP qui est un espace probabilisé et E epsilon un espace mesurable, donc un espace métrique. Voilà, on appelle variable aléatoire de oméga vers E toute fonction mesurable de X de oméga vers E. Donc vous voyez que c'est tout simplement une fonction de x vers oméga de oméga vers e, je m'excuse, et x étant la variable aléatoire justement. Alors cette condition de mesurabilité de x assure que l'image réciproque par b de x de tout élément b de la tribu borélienne epsilon possède une probabilité et permet ainsi de définir sur e epsilon une mesure de probabilité notée p de x par p de x de l'élément B est égal à la probabilité de la réciproque de B est égal à la probabilité de voilà un élément de l'ensemble appartenant à l'univers qui a x est égal à x de oméga appartient à B. Je vous rappelle que B est un élément de la tribu borélienne epsilon. La probabilité de P de x est appelée loi de probabilité de la variable aléatoire. Voilà. Donc on a une loi de probabilité qui est caché derrière. Alors, une variable aléatoire est une fonction mesurable d'un espace inconnu, l'univers oméga, vers un espace d'état E connu. À chaque élément mesurable B de E, on associe son image réciproque dans oméga. La mesure P de X, loi de probabilité de X sur E, se déduit donc de la mesure P sur oméga. Alors, en d'autres termes, bon, on va aller de manière plus simpliste. Bon, tout d'abord ici, je reprends l'énoncé. L'énoncé, je vais refaire la définition plus simplement. Hein, ici, dans ce cas-ci, vous allez voir que c'est beaucoup plus simple que voilà, de parler voilà, de ce qui a été établi juste à l'instant. Un dé possède trois faces marquées 1, deux faces marquées 2 et une face marquée 3. Le dé n'est pas truqué, ça je vous l'ai dit que le poids est bien réparti, bien équilibré. On le jette deux fois consécutivement. On considère la variable aléatoire qui est associée à un couple de résultats, la somme des deux résultats. Alors, donc j'ai un dé, j'ai trois faces notées 1, deux faces notées 2, une face notée 3. Bon, l'expérience aléatoire, c'est jeter deux fois consécutivement ce même dé. On n'a qu'un seul dé. Donc on le jette deux fois consécutivement, et de là va jaillir, ressortir oméga. Oméga qui est la catégorie d'épreuve que je peux appeler aussi E, oméga. Bon, oméga, je vais le faire dans un petit instant. Alors, enfin, je vais le montrer dans un petit instant parce que ça a déjà été fait. Alors, je vous rappelle qu'un phénomène aléatoire, c'est une expérience dont on ne connaît pas les résultats en finale, mais qui peuvent donner lieu à plusieurs résultats possibles. Hein. Voilà, on ne connaît pas au départ, puisque ce n'est pas déterministe, hein, c'est pas déterminé parce que ce n'est pas un phénomène déterministe, on ne sait pas savoir ce que c'est, mais en tout cas, on a une plage de résultats possibles pour lesquels on sait bien qu'on peut tomber dans une plage donnée de résultats. Alors, la catégorie d'épreuve, je rappelle que c'est un ensemble de résultats possibles. Je vais le faire dans un petit instant, on peut l'appeler E. Et la variable aléatoire, voilà, qu'est-ce que c'est que la variable aléatoire? C'est une application de oméga vers un autre espace mesurable. Alors ici, mon espace mesurable, ici, ça va être R, je vous le dis tout de suite. Ici, c'est une application,
Voilà, donc ici, je vais appeler ça x1, x2, x3. Voilà, je vais le lier avec une probabilité pour que x égale x1 ici. Alors, probabilité pour que x égale x1. Alors, pour x2, c'est la probabilité pour que x égale x2, et ainsi de suite. Bon, alors, tant qu'on a des x, des xi, en fonction d'oméga, je peux faire une relation qui est une relation spécifique, qui est une fonction spécifique qu'on appelle une application. Voilà, c'est une relation, une correspondance spécifique qu'on appelle une application ici. Probabilité de x égale x3. Et donc ici, ça, on va ressortir l'ensemble des dérivés dans R, qui est un espace métrique, un espace mesurable. Voilà. Alors, on a x, voilà, x, et de l'univers, bon, on peut établir. Voilà. Et donc, ça, c'est la première des choses. La première des choses, c'est que j'ai deux ensembles, un ensemble de départ et un ensemble d'arrivée, et qu'en plus de ça, j'ai des relations. Et donc, on établit une relation entre un ensemble de départ qui n'est pas n'importe quoi, qui est oméga ici, qui est la catégorie des preuves, vers une probabilité d'occurrence de x, xi. Et donc, dès le moment où on a ça, on peut établir ce qu'on appelle un tableau. Puisqu'en fait, là, je l'ai mis sous forme de patatoïde, qui est au niveau d'ensemble, là, après, je peux transformer en un tableau. Pourquoi pas? Donc, je vais mettre dans un tableau. Et donc, dès le moment où j'ai un tableau, je vais indiquer les xi, pi, et ça va donner une fonction de probabilité, une fonction de distribution de probabilité avec la fonction f, deux points, qui est définie par rapport à la variable x, par rapport à la variable x, qui au petit x va faire correspondre la probabilité de x égale grand x égale petit x. Voilà, donc ça, c'est ma fonction de distribution FDP. Voilà, FDP, c'est ma FDP, fonction de distribution de probabilité. Alors, de ceci, c'est un tableau statistique qui va donner des probabilités, voilà, enfin, qui va sortir des probabilités. C'est un tableau statistique avec des probabilités ici. Et donc, dès le moment où c'est un tableau statistique, va ressortir l'expérience qui est une forme de moyenne, la variance, l'écart-type. Et bien sûr, un graphique. Alors, comme ici, c'est une loi de distribution discrète, on aura, voilà, un tableau, enfin, un graphique qui sera discret. Alors, comment établir la chose? Bon, ici, on a mon j'ai le premier jet et mon second jet. Mon premier jet peut donner 1, 2 ou 3. Voilà, parce que pourquoi? Parce que c'est le dé, il n'y a que 3 valeurs. Hein. Le 4 n'existe pas. Hein. Il n'y a que la valeur 1. Voilà, la valeur 1, 2 et 3. Le 4 n'existe pas, le 5 n'existe pas dans ce dé, le 6 n'existe pas. Mais on a réparti de telle manière à ce que le dé a 6 faces, on a. Trois faces qui font 1, deux faces qui font 2, ça fait 5 faces, et une face qui fait 3, ça fait 6 faces. Donc, le 3 a une plus grande chance d'être tiré par rapport au 2 ou au 3, parce qu'il est répertorié sur 3 faces. Alors, on pourrait réunir ça, enfin, avoir une analogie avec des boules dans une urne. Bon, je peux avoir 3 boules numéroté 1 dans une urne, deux boules numérotées 2 et une boule numérotée 3, c'est même. C'est un jeu de hasard. Que ce soit les urnes ou le dé, c'est un jeu de hasard. Donc on peut entreprendre ça non pas sous forme d'un dé, mais de boules, tout simplement. Et donc les résultats possibles, ça va donner 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Et donc ça, c'est mon univers oméga. Mon univers oméga. Et grâce à cet univers oméga, maintenant, je vais établir la relation. Grâce à la variable aléatoire x. Mais quelle est cette relation? Elle est donnée dans l'énoncé. Puisque la relation dit que voilà, un couple de résultats est la somme de deux résultats. Donc, je vais pouvoir trouver un ensemble de départ, d'arrivée. Alors, pour ça, je vais calculer les probabilités, parce que je dois faire une relation avec un ensemble de départ qui est une probabilité. Je vous l'ai dit, ici, c'est une probabilité qu'il y a ici. Hein. Ça, ce sont des probabilités. D'office, là, dans les variables aléatoires, c'est une probabilité qui en a. Donc, je dois calculer les probabilités.
voilà, de toutes les occurrences possibles, donc c'est-à-dire de 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, c'est toutes les occurrences possibles, et chercher les probabilités de ces occurrences possibles. Et donc là, on a 3 sixièmes, parce qu'on a 3 faces notées 1, 3 faces notées 1, ça fait 9 36e pour avoir du 1, 1. Alors 3 36e pour avoir le 1, et 2 36e pour avoir le 2, parce qu'il y a 2 faces notées 2. 3 36e notées 1. Pour la probabilité d'obtenir un 1, un sixième, parce qu'il y a une face notée 3. Et ainsi de suite. Et donc, vous voyez que la probabilité de 1, 2 vaut la probabilité de 2, 1. La probabilité de 1, 3 vaut la probabilité de 3, 1. Alors, 1, 1 est une fois, 2, 2, 2 est une fois. 2, 1 et 1, 2, c'est pas la même chose. Parce que 1, 2, c'est d'abord le 1 puis le 2 ensuite. Et de 1, c'est d'abord le 2 et puis le 1 ensuite. Mais les probabilités sont les mêmes. C'est 6 36e pour les deux. Alors pour 3, 2 et 2, 3, ben, la probabilité est la même. Simplement, il y en a un, c'est 2 sixièmes fois 1 sixième, l'autre, c'est 1 sixième fois 2 sixièmes. Et enfin, 3, 3, il n'y en a qu'une seule. Voilà, c'est 1 36e. Et donc, je regarde, je fais la somme de toutes ces probabilités. La probabilité d'oméga doit falloir 1. Je somme, je regarde si 9 plus 6 plus 3 plus 6 plus 4 plus 2 plus 3. Plus 2 plus 1 fait 36 36e. Si c'est bon, ben, j'ai bien calculé la chose. Et ben, maintenant, je vais calculer donc ce tableau statistique. Alors, pour ça, je vais créer un autre tableau. Et je vais créer ce fameux tableau statistique où je vais avoir. Je peux avoir que la somme 1 plus 1, ça fait 2. Alors le 2, il vient de 1 plus 1. Alors le 3, x égale 2, il vient de 1 plus 1. Le x égale 3, il vient de. Il peut venir de 2 plus 1, 1 plus 2. Là, il vient de 1 plus 1. X égale 4, il vient de 3 plus 1. 1 plus 3. 4, il n'y a pas, je m'excuse. Il n'y a pas de face qui. Si, si, la somme fait 4. La somme fait 4. La somme fait 4. Alors, comment faire 4? C'est 3 plus 1 et 2 plus 2 aussi. X égale 5. Ça provient de 3 plus 2, 2 plus 3. C'est tout. On peut aussi avoir le 6. Qui provient de 4 plus 2, mais 4, il n'y a pas de face 4, tout simplement de 3 plus 3. Voilà. Alors maintenant, ça c'est mon point de départ, donc je peux avoir 2, 4, 6. Voilà. Maintenant, je calcule les probabilités pour avoir 2. Ben, il peut provenir de 1 plus 1, or 1 et 1, c'est donné par 9 36e. 9 36e. Alors 2, 1, 1, 2, pour 3, x égale 3. 1, 2, c'est 6 36e. Et l'autre, 2, 1, c'est 6 36e aussi. Ben, c'est la même chose. Je vous l'ai dit que c'est tout à l'heure, c'était la même chose. Donc, 6 36e, 6 36e. Bon, pour avoir 3, ce qui fait 12 36e. C'est une application, je dois avoir qu'un seul résultat. Hein. Et pas trois résultats, donc je dois faire la somme ici. Alors pour avoir 4, ça provient de 3, 1, 1, 3. 3, 1, 1, 3. 3, 1, c'est 3, 36e, 3, 36e. Et ça fait bien 4. Et je peux avoir 2 plus 2. Donc c'est 4, 36e. Donc. Donc. 3 36e et 4 36e. 3 36e, 3 36e, 4 36e, ce qui fait 3 6, ça fait 10 36e. Alors 3 2 pour le x égale 5. 3, 2, 2, 3, c'est 2, 36e. 2, 36e.
Bon, ici, c'est la probabilité d'avoir 1-1. 9/36e, c'est la probabilité d'avoir 1-1. Mais, et donc, comme on n'a qu'une seule probabilité, c'est aussi la probabilité d'avoir x égale 2. Voilà. Alors ici, c'était calculé. Pour avoir 2, 1, la probabilité de 1, c'est 6/36e, de 1, 2, c'est 6/36e. 6 plus 6, ça fait 12/36e. Et ça, c'est la probabilité pour x égale 3. Alors, pour la probabilité pour avoir 3, 1, c'est 3/36e. De 1, 3, 3/36e. De 2, 2, 4/36e, ce qui fait 10/36e. Là, vous voyez que je peux commencer à faire l'application, créer mon application comme ceci. Alors, je vais faire ici, c'est 2/36e. Probabilité pour que x égale 5 égale 4/36e. Et 3, 3, ça va donner 1/36e. Les probabilités, c'est avec PR. Bon, combien est-ce que ça fait? J'ai dû oublier. 3, 3, c'est 1/36e. Voilà, et donc là, je crée mon tableau. Voilà, c'est fait. Donc 9, alors il faut que je calcule le total bien sûr pour voir si c'est bon. 9, 12, 21, 21 et 10, 30, 31, plus 4, 35, plus 1, 36. C'est bien 36, 36e, c'est bon. Je peux me faire confiance puisqu'en fait j'ai bien 36, 36e. Alors maintenant, je vais le faire en plus propre et puis je vais tracer le graphique. Et après on va calculer l'espérance puisque c'est un tableau statistique, hein. D'ailleurs, je vais le mettre sous forme de tableau et non pas d'ensemble. Hein. Alors, ici, je vais mettre les x. Bien sûr, je vous rappelle que je vais avoir une fonction f qui est à x fait correspondre. Et je vais même parler des x, y. Je vais parler des x, y. Probabilité de x égale xi que je vais appeler pi. Voilà. Donc je vais avoir des xi pi si vous voulez. Alors je vous rappelle qu'on avait x 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6, effectivement. 9, 12, 10, 4. 9, 12, 10, 4, 1. 9, 12, 10, 4, 1, c'est tout des 36e. Alors, on a bien une variable aléatoire discrète avec une fonction discrète. Là, je peux dessiner mon application qui sera, voilà, une fonction, c'est une fonction discrète. Alors, je vais mettre les x ici, les pi ici. Alors, je peux mettre, je peux avoir 2, 4, si bon, je l'étale un peu plus grand, comme j'ai la possibilité de le faire, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, je vais mettre 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, pour le 1, y a rien. Pour 2, c'est 9. Bon, c'est des 36e. Hein. Ah, ceci, c'est 1 36e. Je l'ai mal fait, mais enfin bref, pas grave. 1 36e. Donc, ce qui veut dire que si je veux 2 36e, il en faut 2. Ah. Donc, 2, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pour 2, c'est 9 36e. Pour 3, 12, 9, 10, 11, 12. Vous voyez que c'est discret, hein? 12, 36e. Pour 4, c'est 10, 36e. Pour 5, 4, 36e. 1, 2, 3, 4. Et pour 6, 1, 36e. Et là, vous avez la loi de distri la fonction de distribution. Dessinée, hein, en graphique, bien sûr. Donc, c'est la FDP, fonction de distribution, bien sûr, qui est discret ici, du jeu qui est énoncé, dans l'énoncé. Voilà, du jeu ici. Résultat, la somme de deux résultats. On considère la variable aléatoire qui associe à la coupe de résultats la somme de deux résultats. Alors maintenant, je vais calculer, bien sûr, comme j'ai un tableau statistique de probabilité, bien sûr, parce qu'il y a des probabilités dans ce tableau, bien, je vais aller rechercher ce tableau qui est ici et en faire des statistiques de ça. Je peux rechercher la moyenne, la variance, l'écart type. Alors pour ça, il me faut le tableau, bien sûr. Alors, vous devez connaître, pour calculer l'espérance, si vous ne connaissez pas la formule, c'est embêtant. Donc, il faut absolument connaître c'est la somme des PIXI. Voilà. Alors, les PI sont des fractions, hein. Donc, vous aurez A sur B fois DXI. Donc, au bout du compte, vous aurez quelque chose comme ça. Voilà, vous aurez. Et ça, c'est bien. On voit bien que ça a une moyenne, hein, une espèce de moyenne. C'est une espèce de moyenne. Donc, l'espérance, c'est une espèce de moyenne. Donc, je vais calculer cette moyenne. Donc, pour ça, donc je vous ai dit que c'est la somme des PIXI. Donc, ce sera 2 fois 9 36e plus 3 fois 12 36e plus 4 fois 10 36e plus 5 fois 4 36e. Plus 6 fois 1 36e. Alors, l'avantage ici, c'est que tout est en 36e, comme je vous l'ai dit, hein. Donc, je peux tout mettre en 36e. Et là, je vais calculer. 9 fois 2, 18, plus 3 fois 2, 3 fois 12, 36, plus 40, plus 20. Plus 6, on va voir ça en 36e. Calculons ça.
j'ai pas envie de me casser la nénette à calculer mentalement. Donc j'ai une machine, je vais l'utiliser. 18 plus 36 plus 40 plus 20 plus 6. Voilà, ça fait 120 sur 36. Cent vingt sur 36. Alors, qui fait 3,3333. Environ. Attends, je peux calculer la variance. Alors, la variance, c'est la somme des PI XI carré moins E carré de X. Bon, alors pour ça, je vais rechercher ceci et modifier. Donc je vais calculer la variance. Ce qu'il faut mettre, c'est le x au carré, 2 au carré, 3 au carré, 4 au carré, 5 au carré, 6 au carré, et bien sûr, enlever le 120 36e au carré. Je vais calculer ça. Alors, ce qui veut dire que j'ai toujours des 36e. Moins 120 au carré sur 36 au carré. Voilà. 4 fois 9, 9 fois 12, 16 fois 10, 25 fois 4 et 36 fois 1, ce qui fait 36. On va calculer ça. 4 fois 9 plus 9 fois 12. Plus 16 fois 10, plus 25 fois 4, plus 36, divisé par 36, moins 120 divisé par 36 au carré. Voilà, j'obtiens la variance 1,1. Alors maintenant, je vais calculer l'écart type de x. Ouais, attention que c'est grand x et pas petit x.
Et voilà. Là, vous avez l'écart type de X. Je peux aller même un peu plus loin, si vous voulez, dans l'écriture du nombre 1,0625. Zéro 925 53 trois petits points. Voilà, comme ça, bon, j'étais assez loin. Alors ici, là, j'ai pas besoin de mettre des 1 parce que on sait bien que c'est toujours 1. Je vous remercie.